Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent en streaming. Bonjour Bernardine Evaristo, on est très heureux et très fiers de vous avoir avec nous, même à distance et même si du coup ça nous a fait perdre quelques minutes pour se connecter. C'est important et l'équipe du festival et Blandine Forêt dès l'an passé avait très envie de vous recevoir déjà à l'occasion de la parution alors de Filles, Femmes, Autres aux éditions Globe qui en Angleterre est paru lui en 2019. Il a obtenu le Booker Prize, c'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, c'est un livre qui est remarquable littérairement et qui a évidemment fait date au-delà par son impact dans la société, par ce qu'il dit de la société et des voix féminines et noires. Mais c'est ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est que ce soit cela et un grand texte littéraire, les deux à la fois et les deux pleinement. Aujourd'hui, on s'intéressera également à ce livre plus ancien pour l'Angleterre, paru en 2013 en Angleterre, Mr. Loverman, ils sont massifs les livres de chez Globe. Ce sont des beaux livres, mais voilà, faut les tenir en main. Mr. Loverman, qui vient de paraître en France, alors qu'il est... Il est paru antérieurement en Angleterre, il était paru en 2013, donc pour vous Bernardine, il sera plus ancien. Mais il est important que nous en parlions aussi, puisque c'est la suite de la traduction en France de votre travail. Donc on va évoquer les deux et on va quand même commencer par celui qui est le plus ancien pour nous et le plus récent pour vous, à savoir « Filles, femmes, autres ». Je l'ai dit, le livre a obtenu le Booker Prize, le livre a fait beaucoup parler de lui, vous avez eu l'occasion d'en parler beaucoup, vous avez beaucoup de choses à nous en dire. So hi Bernardine. We're going to talk about your two books that were translated into French, Girl, Woman, Other, that was published in 2019 and that was awarded the prestigious Booker Prize, and that deals with black women voices. And we'll also mostly focus on Mr. Loverman. That's your latest release in French. But it was published earlier than Girl, Woman, Other. It was published in 2013 in the UK. But it just came out here in France, so that's why we're going to focus on it. And so first, Girl, Woman, Other. Donc, ce livre, j'aimerais entamer par le titre. Alors, ce livre, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est un roman, est une forme romanesque et narrative, et pour autant polyphonique. Et c'est une sorte de chœur de 12 voix de femmes noires au cours du XXe siècle. Pour vous poser la question de façon aussi brève que possible, parce que le dispositif est celui qu'il est, j'ai envie de me commencer par le titre « Filles, femmes, autres ». Et dans ce titre, j'ai deux questions. Nous remarquons que le point commun entre ces femmes, un des points communs entre ces femmes est d'être noire et que noire n'est pas dans le titre. Première chose. Or, vous dites sur le site des éditions Globe, enfin, qui reprend vos propos, une phrase que je trouve très marquante. Il y a dans ce livre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n'en a vu à la télévision durant toute son enfance. Donc c'est un point non négligeable. Il n'est pas dans le titre. Donc, partant de cette simple phrase, j'aimerais vous demander en quoi, pourquoi est-ce un choix poétique et politique? Et puis, évidemment, l'autre mot qui est là, c'est « autre ». Donc, j'aimerais vous poser la question de ces deux mots-là, l'absence de l'adjectif « noir » et la présence de l'adjectif « autre ». So, I'd like to focus on the title of this novel, « Girl, Woman,
Other. So it's a novel, a polyphonic novel, a sort of Greek chorus in which we hear 12 black women voices in the 20th century. And of course, the common point between the, your two novels released in French is the black, the focus on blackness and black women, black people. I'd like to quote something that I read on your French publisher's website, on the Globe Editions website. You said, or it's said on the website that in your novel, in Girl, Women, Other, there are more black women that you, Bernardine, you ever saw on TV as a child. That's why I wanted to ask you why the word black was not in the title. Its absence is quite conspicuous here. To me, I wanted to know why it was not there and if it was a poetic or a political choice. And the other question about that title, Girl, Woman, Other, is about the word other. What exactly is or are, what does other here refer to? Yes, okay, well, lovely to be talking to you at your festival. And it's wonderful to have these two books published in French. So happy with that. I never thought about putting black into the title, actually, because it didn't seem necessary. I spent a long time coming up with Girl, Woman, Other, years, because the book took nearly 6 years to write. And during that time, I had one title that I stuck with for about 2 years, and it was called Afro-Saxon Amazons. And I thought that was a great title. But when I sort of shared it with people, they would say, oh, it reminds me of Amazon, the online retailer. Or they would say, it sounds very academic. And so I realized it really wasn't going, or they would say Afro is hair. It's not people. People, you know, Afro really refers to a certain kind of black hair. So I then decided that I couldn't use it. And I came up with Girl, Woman, Other because it seemed to encapsulate what I was exploring with the book, that I was talking about womanhood. I was talking about childhood through the women and their childhood, so their girlhoods. And I was also talking about other. There's also a poetic reason. Black in the title, I don't know where that could have fitted in with Girl, Woman, Other. Black girl, black woman, black, no, it wouldn't have worked. So other is, I don't know if people in France are familiar with it, but it is a kind of sociological term that has been around for quite a long time, which refers to people who are othered. So there are the people who are considered the mainstream, the normal people in society. And then there are people who are outside of that. And they might be outside of that in some instances, actually, because of their gender, because they're women, or because they're transgender, or any of the other gender identities, but also because they are people of color, because they are black people, because they maybe are queer, they may have a queer sexuality, or it may be because they're disabled, or because they're working class, or because they're immigrants. So I love the idea of having other as the third word in that sequence. And let's not forget that in Girl, Woman, Other, one of the characters is non-binary. So the other does include that character who is on the trans spectrum. Mm-hmm. Oui, je suis vraiment très heureuse de participer à votre festival, et je suis encore plus heureuse d'avoir deux de mes romans publiés en français. Alors, j'ai jamais envisagé d'inclure le mot
l'adjectif noir dans le titre de mon roman. Le titre Girl, Woman, Other, fille, femme, autre, c'est un bon moment que j'y pensais parce que j'ai mis 6 ans à écrire le roman. Et Girl, Woman, Other me trottait dans la tête depuis un long moment, mais avant ça, pendant à peu près 2 ans, j'avais un autre titre en tête, c'était Afro-Saxon Amazons, et je le trouvais vraiment génial. Mais quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai eu des retours plutôt négatifs. On m'a opposé qu'en fait ça faisait trop penser au site de vente en ligne Amazon, ce qui n'était forcément pas une référence très très vertueuse. Et on m'a aussi dit que ça avait un côté un peu académique, ce titre. Et puis autre critique que j'ai reçue sur ce titre-là, c'était que le terme afro, ça faisait trop référence à la coiffure afro. Et ça ne parlait pas des gens, des personnes. J'ai décidé de changer et j'ai opté pour Girl, Woman, Other, fille, femme, autre, parce que je trouvais que cette combinaison, ces trois mots, ils résumaient vraiment bien le contenu du livre. Parce que j'y parle évidemment de féminité, de ce que c'est que d'être femme. Je parle beaucoup de l'enfance. Et puis je parle aussi de tout un tas d'autres thématiques. Et donc je pense qu'ici, il y avait quelque chose, un enjeu poétique. Je ne voyais pas l'intérêt de rajouter cette précision black, noir, ça aurait pas, non, c'est vraiment, ça ne serait pas, ça n'aurait pas collé, ça n'aurait pas fonctionné. Et quant à l'autre terme sur lequel vous m'avez interrogé, donc le terme autre, justement, alors je ne sais pas si vous, ici en France, vous savez cela, mais le terme other, en anglais, il est assez, c'est un terme utilisé en sociologie, c'est en tout cas très marqué au niveau sociologique, c'est pour toutes. Désigner toutes ces personnes qui ne sont pas dans la norme. Il y a les personnes qui sont plutôt dans ce qu'on appelle le mainstream, qui sont normaux, si je puis dire. Et puis, il y a aussi toute une partie de la population qui est en dehors de ce cadre et de cette norme, que ce soit à cause de leur genre, par exemple pour les femmes. Ça peut être aussi des personnes qui sont justement transgenres ou avec d'autres nuances de genre. Des personnes qui sont queer, des personnes de couleur, évidemment, peuvent être, se retrouvent dans cette classification de other, autre. C'est aussi les personnes handicapées, les personnes aussi de la classe ouvrière, les migrants, etc. Et voilà, c'est pour ça que toute cette diversité qui est contenue dans le terme other faisait que j'étais très contente de l'utiliser comme troisième terme de ce titre. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un personnage dans le roman qui est non-binaire, qui est dans le spectre de la transsexualité, du transgenre. Et donc ce terme « other » fait référence aussi à ce personnage-là. Merci, thank you. Dans ce livre, toujours, les 12 voix de femmes constituent un chœur. Le chœur me ramène à l'idée du théâtre. Et je sais que vous êtes concerné par le théâtre. Il y a une pièce de théâtre au centre du livre également. Premier aspect de la question, le théâtre. Et puis, j'aimerais de là vous poser la question formelle. C'est-à-dire que ce qui est remarquable aussi dans ce livre, comme je le disais au public en introduction, c'est sa forme, c'est sa poétique. C'est l'insertion des dialogues en enlevant les signes diacritiques, les guillemets et des choses comme ça, et cette formidable énergie orale qu'on retrouve par ailleurs aussi à de nombreux endroits de Mr. Loverman. Mais là, c'est assez frappant. C'est-à-dire que ce chœur me semble, alors qu'il est narratif, être une forme de succession de monologues presque théâtraux. Donc ma question, Morgane, pour résumer, c'est
le rapport que vous entretenez au théâtre et puis la construction formelle si spéciale de ce livre. So in Girl, Women, Other, as I was saying earlier, there are 12 different voices. It's really like a Greek chorus, and this reminds me of course of theater. And I know that you have a strong interest in theater, and there is a play, a premiere of a play that's really central to the plot in the novel. So I'd like first to ask you about your relationship to theater, and then I'd like to ask you about the formal aspect of your book, because I think it's very outstanding, the poetics in your book, the very experimental form that you gave to your novel, the way you insert dialogues without using the the normal punctuation signs, no inverted commas, and so on. And there is really a strong oral energy in your novel, and this is also true of Mr. Loverman, this chorus I was telling you about is very narrative, and yet it also feels like you a series of different monologues, like in theater. So, I'd like to ask you about your relationship to theater, and like you to tell us more about the narrative form of your novel. Yes, thank you. So I became a writer through being a theatre maker. I wanted to be an actor from the age of 14. I was part of my local youth theatre, and from the age of 12, by the age of 14, I decided this was the career that I wanted, and I went to drama school, trained in theatre for 3 years, and then became an actor. But the drama school I went to it was called Rose Bruford College, was a school that offered what we called a community theatre arts course. So it was a course devised to create devised for students to create theatre that was about social change. So part of the course was about writing my own material. And that's what I did. And I became a writer. And then when I graduated, I then wrote professionally for theatre with the company that I co-founded called Theatre of Black Women. So my first career as an actor was also as a writer. Mm. And the kind of writing that I did was very much in the mold of monologues, actually. I didn't really know how to write dialogue well, and I wasn't interested in exploring theatre through any of the sort of more traditional British theatrical forms, because I felt that the traditional British theatre did not speak to me. I looked elsewhere for my inspiration and couldn't really find much apart from a book and a play called For Coloured Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough, which was written by an African-American writer called Ntozake Shange. And it came to London, London's West End, in the late 1970s. And it is the most extraordinary play, although she calls it a choreo poem. And there are 7 African-American women on stage talking about moments from their lives, high drama, moments from their lives through poetry. And that was a huge inspiration for me as a young woman wanting to write about Black women's stories. Because I came to writing through performing, I had a very intense relationship with the text. I inhabited the text as one does as an actor, but it was my text. And so for me, writing was always a very emotional experience, but also quite a performative experience. Because as an actor,
writing for theatre, you are communicating to an audience through the text, but also through my performance. And then I left theatre behind by the end of my 20s and continued to write books. And those books were, my first book was a poetry collection, and then I wrote verse fiction and a novel with verse and a more kind of traditional novel, but not quite very poetic, until eventually, 8 books down the line, I published Girl, Woman, Other, which I call fusion fiction. And it does, it references theatre, and it references my kind of early theatre days through the story of Amma and Dominique, but also it brings together all these different voices in a way that they do sound as if they are delivering monologues, even though it's written in the third person, but it's what we call the close third. So it's written in the third person, but you think they're talking to you. So it's quite a kind of clever device, really. And I can tell you more about the form itself, but that's how this came into being, through me as an actor, a theatre writer, an experimental writer, and then coming up with this form that will bring together all these different narratives. Alors, je suis devenue écrivaine en faisant du théâtre. Dès l'âge de 14 ans, j'ai débuté une carrière d'actrice. Et à 12 ans, je faisais déjà partie d'une troupe locale et puis, au collège, à Bruford College. Et j'ai d'ailleurs suivi des études de théâtre. Et au cours de ces études, on avait un angle assez particulier, c'est-à-dire qu'on faisait du théâtre, mais avec un filtre ou enfin un cadre sociologique. On devait produire des pièces de théâtre qui aient à visée sociale et qui soient en mesure d'apporter un changement au niveau social ou sociologique. Et donc, j'ai très tôt, quand je me suis mise à écrire pour le théâtre et à jouer d'ailleurs, je l'ai fait avec la propre matière qui venait de mon expérience à moi, mon expérience sociologique. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine. Et à cette époque-là, j'ai cofondé une troupe de théâtre qui s'appelait Theatre Black Women. Et donc voilà, c'est ainsi que ma première carrière d'actrice a commencé. Et à cette époque-là, donc, quand j'écrivais pour le théâtre, en fait, j'étais plutôt à l'aise avec les monologues. Je ne savais pas écrire les dialogues. Et c'est peut-être ça que vous ressentez dans mon roman. Et j'ai jamais voulu me conformer ou émuler les formes traditionnelles de théâtre anglo-saxon. Ça m'a jamais beaucoup parlé. Je m'y retrouvais pas. Et donc j'ai essayé un petit peu d'élargir le spectre et d'essayer de découvrir ce qui pouvait se faire ailleurs. Et j'ai découvert donc une œuvre qui s'appelait Could you tell us the title of the book by Terzake Shangai again, please? For Colored Girls. For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough. Okay, For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough. Alors, littéralement, on pourrait traduire ça, donc c'est à l'attention des filles de couleur qui ont envisagé de mettre fin à leur jour
quand ils en avaient marre de l'arc-en-ciel. Et donc, alors ensuite, et d'ailleurs, oui, et c'était écrit par une autrice qui s'appelait Enter Zarke Shanghai, et qui est venue d'ailleurs à Londres dans les années 1970. C'était un texte assez lyrique, mais voilà, qui était aussi de la dramaturgie. Et donc, dans cette œuvre, évidemment, il est question de femmes africaines qui partagent des moments vraiment très dramatiques qu'elles ont pu vivre, des drames qui leur sont arrivés, des moments forts de leur vie, qui partagent tout un tas d'expériences, mais toujours à travers le prisme de la poésie. Et moi, la lecture de cet ouvrage a vraiment été une expérience très, très, très marquante pour moi, et comme pour beaucoup d'autres femmes noires, je pense. Et donc, moi, j'ai toujours eu, de par cette entrée que j'ai eue dans l'écriture à travers le théâtre, et un théâtre très incarné, et incarné par la matière qui venait de ma propre vie, j'ai toujours eu une expérience, une relation, un rapport très intense avec le texte. J'ai toujours beaucoup habité les textes que j'ai produits parce que de par ma sorte de double casquette d'actrice, enfin dramaturge, actrice et écrivaine, l'écriture a toujours été à la fois quelque chose de narratif, mais aussi quelque chose de très performatif, de très lié à l'expérience. Parce que quand on est acteur et qu'on décide d'écrire, bah évidemment, tout ce qu'on communique à nos lecteurs ou à notre public, évidemment, ça passe à la fois par les mots, le texte, mais aussi par la façon dont on va les jouer, par la performance. Et donc, à la fin, comment dire, quand j'ai eu 40 ans, disons, bien tapé, j'ai décidé de quitter le monde de la dramaturgie et de me consacrer à l'écriture, au métier d'écrivaine. J'ai commencé à écrire de la fiction en poétique, en vers. J'ai écrit d'ailleurs un roman en vers. J'ai écrit différents ouvrages, et au bout de 8 ouvrages, je suis arrivée à Girl, Woman, Other, fille, femme, autre, que je qualifierais de roman, enfin d'ouvrage de fiction. C'est de la fiction de fusion. Et bien sûr, pourquoi fusion ? Bah parce qu'évidemment, il y a beaucoup de références au théâtre, comme je le disais, et aussi de références à moi, mes premières années, mes débuts dans le théâtre, hein, notamment à travers les personnages d'Ama et de Dominique. Et puis aussi, évidemment, avec cette construction polyphonique qui, voilà, avec cette série de monologues qui s'enchaînent, s'entrecroisent. Et j'utilise un dispositif que je trouve assez efficace. Donc, évidemment, la narration dans Fille, femme, autre se fait à la troisième personne, ce qui pourrait donner une impression de distance, mais en fait, on a, à travers ces monologues, quand même l'impression que chacune de ces voix nous parle. Enfin, en tout cas, vous, lecteurs, vous avez, je pense, cette impression-là. Et donc, voilà, je pourrais vous parler un peu plus longuement de la forme, mais voilà, je voulais vous expliquer comment j'étais passée de partie du théâtre et du théâtre vers pour arriver à l'écriture de romans assez expérimentaux et qui mélangent tout différents genres de récits. Thank you. Parlons maintenant de Mr. Loverman, qui vient, je le disais, de paraître en France, qui est plus ancien pour vous. Mr. Loverman, pour le public français, pour vous le dire rapidement, c'est en quatrième, mais l'intrigue, c'est celle d'un coming out, mais qui vient bien tard. Le coming out de Barry, qui est
d'origine caribéenne qui vit en Angleterre et qui entretient une liaison homosexuelle principale, mais il y en a d'autres, enfin, qui est homosexuel depuis l'origine et marié depuis plus de 50 ans. Donc il y a un silence qui a duré toute une vie. Et donc ce coming out est l'enjeu narratif de ce livre. C'est un livre à la fois dramatique, drôle et également d'une grande acuité sur ces questions qui explosent dans filles, femmes, autres, mais qui sont déjà présentes, c'est-à-dire celles de l'assignation, de la possibilité d'émancipation à travers son coming out à lui, mais à travers les personnages de femmes qui l'entourent. Ça, c'était pour le public, hein, donc tu mm-hmm. voilà, pas obligé de le traduire. Et ma première question, Bernardine, sera toute simple. Puisque ce livre est plus ancien que le précédent, puisqu'il en a une si belle couve et une si belle image, et qu'elle est très représentative de ce personnage, qui est un personnage ambigu, parce qu'il nous est sympathique, on a envie de s'attacher, on a envie de son coming out, on a envie qu'il se libère. Et en même temps, il est également old school, il est réactionnaire par certains aspects, il est quasiment homophobe par instant aussi. Donc bref, il n'est pas monolithique. C'est un personnage complexe, intéressant, drôle aussi. J'aimerais juste vous demander votre avis à ce sujet-là, au sujet de sa complexité, en partant peut-être tout simplement du souvenir que vous en avez, puisque pour vous, il a déjà plus de 10 ans. So I'd like to ask you a question about Mr. Loverman that you've written, and I was released in the UK a while ago, more than 10 years ago. And I'd like you to tell us about how you feel about Mr. Loverman, about Barrington, because he's he already goes back quite a long time. Would also like you to maybe to tell us what you think about the ambiguity about the ambiguity of that character, Barry. Because he's kind of friendly, he's very, he's funny, he's quite witty. We kind as a reader, we want him to break free and to come out of the closet. And in the meantime, he's kind of a really old-fashioned, conservative, and at times almost homophobic. Even though he's gay, so he's really not a single block character, not monolithic at all. So what can you tell us about Barry and the memory that you have of that character you created 10 years ago? Yes, so I love Barrington, actually. He's my creation, but I love him. I found him very funny. Now, if you aren't a writer, if people aren't writers, they may not understand that, because I might talk about my characters sometimes as if they are real people, even though I am the person who gave birth to them and created them. But to me, Barrington is a real person. He came to me fully formed as a character, and he kind of wrote the story himself. He told me what his story was going to be. I wanted to write about somebody from the older generation who is homosexual and has been closeted for all his life, and he's got to the end of his marriage. He's been married for 50 years. He's been lovers with his friend Morris for 60 years, and it's all been secret, right? So this is a man who has performed himself as heterosexual within his community. Everybody thinks of him as Barrington. He's married to Carmel. He's got two daughters. He's got a grandchild. He owns property. He is heterosexual. But actually, that has been a complete and utter deception. But, it's interesting, when people heard about this book, when it was first published, before people had read it, some people thought it was going to be a tragedy. That it was going to be about this poor old black man suffering, very poor, on his own, unable to look after himself, and suffering because he's gay. So even though Barrington, in a way,
has suffered because he hasn't been true to himself in public. He is somebody who is full of life. He has lots of energy. He's very critical of the world around him. He's fully compos mentis. And I find him very funny, very entertaining. He is a larger than life character. At the same time, yes, all those things you noticed are true. He is somebody who is homosexual, but has some very old fashioned ideas about homosexuality. He is someone who is possibly, arguably misogynistic. You know, he is not a perfect human being. He is flawed. He is complex. He has different sides to him. And that's the job for me as a writer, is to create characters like that. I am a feminist, but Barrington is quite anti-feminist, really. He's not a vehicle for my politics. I wanted him to come alive and to breathe on the page as a real person. And I think people do find him to be very authentic as such. They, you know, when people talk about this book, they don't feel that it doesn't kind of deliver on its authenticity as such. And I think that is because he has all these different sides to him, because he is somebody who some people will like, some people won't like. He is not a perfect creation. And that is true to life, because we are not perfect creations. We are all flawed and complex, different sides to us. We respond differently in different situations, and the people around us will see us in different ways. So, so that ambiguity, I think, is part of the richness of the characterization. J'adore Barry, je l'aime vraiment beaucoup. C'est moi qui l'ai créé, mais je le trouve vraiment, vraiment très, 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 très drôle. Je ne sais pas si, pour quelqu'un qui n'est pas écrivain, je ne sais pas si c'est facile à comprendre ce rapport que nous, auteurs, autrices, on peut avoir à nos personnages, mais en tout cas, moi, Barry et certains de mes personnages, tous mes personnages, d'ailleurs, je les vois comme des vraies personnes. Pour moi, Barry, c'est vraiment un homme qui existe. C'est le personnage de Barry qui m'a vraiment dicté ce que l'histoire, son histoire, allait devoir être. J'avais bien sûr un point de départ. Je savais que je voulais écrire à propos d'un homme gay, homosexuel, mais dans le placard, qui n'aurait pas assumé son homosexualité. Et je voulais écrire, je voulais que ce soit un homosexuel, mais assez âgé. Et donc Barry, il est marié depuis 50 ans à une femme qui s'appelle Carmel, mais ça fait 60 ans qu'il vit une histoire d'amour passionnelle avec son ami d'enfance Maurice. Donc bien qu'il soit vraiment homosexuel et qu'il vive cette histoire-là, qui est sans doute l'histoire la plus forte de sa vie, ben il se met en scène comme un hétérosexuel dans sa vie de tous les jours et au sein de sa communauté. Donc comme je disais, il est marié à Carmel, il a deux filles, il est propriétaire, et il a très bien réussi sa vie, enfin, en tout cas vu de l'extérieur, et il est hétérosexuel sur le papier. Mais tout ça, évidemment, c'est un leurre. Quand le livre a paru et que on a commencé à en parler, il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas encore lu, qui pensaient qu'ils avaient entre les mains une tragédie. J'y racontais l'histoire de ce pauvre noir qui est dans une solitude horrible parce qu'il est, homosexuel, mais il ne l'assume pas. C'est un personnage vraiment
dans une tristesse incroyable, mais pas du tout. Barrington, en fait, il respire la vie, la joie de vivre, il a une énergie incroyable, il a un esprit critique hallucinant, il a un avis sur tout, il a un humour décapant. C'est un personnage vraiment hors norme, et je dirais qu'il est plus grand que la vie, qu'un personnage de chair. Et en même temps, comme vous le disiez, c'est aussi un personnage qui est factice. Il est dans le mensonge. Il est homosexuel, mais en même temps, il a une opinion assez conservatrice sur l'homosexualité. Il est même parfois, il frise l'homophobie. On peut se demander s'il n'est pas misogyne également. Donc il est loin d'être un être humain parfait. Il est plein de défauts, il est plein de complexité. Et ça, c'est mon travail, moi, en tant qu'écrivaine, c'est de créer des personnages comme ça qui aient du relief. Moi, je suis une féministe, mais Barry, lui, ne l'est pas du tout. Mais ça ne m'empêche pas d'écrire, de l'avoir créé, et d'avoir réussi à lui donner vraiment vie à travers les pages de mon livre. Et je crois que j'ai réussi à travers lui à créer un personnage vraiment authentique. Et les lecteurs n'ont pas l'impression, comment dire, enfin oui, ressentent cette authenticité. Tac, tac, tac. Oui, et c'est un petit peu... c'est Barry, avec toutes ces imperfections qu'il a, c'est ce qui le rend vraiment crédible et qui en fait un personnage que vous pourriez croiser dans la vie de tous les jours. Et, parce qu'il est vraiment comme nous tous. On est tous imparfaits. On va tous, suivant les situations, avoir des réactions qui vont être plus ou moins... noble ou pas, bien ou pas. Et je pense justement que c'est cette ambiguïté dont vous parliez qui fait toute la richesse du personnage. Thank you. Il nous reste 15 minutes. Donc on approche du terme et je vais vous poser deux questions en une en essayant de le faire simplement. Le livre Mr. Loverman, c'est un coming out, comme on l'a dit, donc quelque chose basé sur le mensonge, ou plutôt une vérité qui ne se dit pas. Sans rien spoiler, on a compris, pour ce qui concerne Barry, qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, mais on apprend au cours du livre que plein d'autres personnes autour ne disent pas non plus. Sa femme, Carmel, ne lui a pas dit quelque chose, et je ne vous dis pas quoi. Donc la vérité qui ne se dit pas, quelque chose qui ne se dit pas, est au centre de l'intrigue. Efficacement, ça rend ça très drôle, mais c'est aussi important. Et je pense que c'est également important symboliquement. Je le pense et je le pose comme question. Cette question du silence, en fait. Du silence dans lequel sont assignés, là en l'occurrence, des immigrés et gays, hein, par exemple, mais sont assignés tous ceux qui sont hors case. Pour le dire simplement, hors... patriarcat et tradition anglaise, pour le coup. Premier point de cette question, hein, si tu arrives à bien résumer ça. Il y a, sur le chemin du coming out de Barry, des rencontres, et notamment, à un moment, il discute avec un jeune gay, qui, lui, est militant, et qui s'intéresse, par exemple, à l'histoire de l'homosexualité en Afrique, et qui lui apprend des choses qui sont tout à fait passionnantes. Donc, le livre nous apprend aussi des choses au passage. Et j'ai trouvé ce personnage-là aussi symbolique parce qu'il met Barry sur la voie d'apprendre également. Hein, il se met à lire. Mais c'est également une jeune génération qui, elle, prend parole. Donc, la question, je pourrais la résumer comme ça, avec ces deux exemples, hein, c'est cette question du silence dans laquelle une génération s'est construite et que Barry symbolise, et pas lui seulement. Et cette question de l'accès à la parole... des jeunes générations
anciennement assignée pour toutes les minorités qu'on a pu évoquer, hein, qu'elles soient en tout cas non majorité, qu'elles soient gays, noires et autres, qui ne correspondent pas à l'identité majoritaire. Donc la question du silence et de la libération de la parole et peut-être de ce passage générationnel de l'un vers l'autre. Ça va ? Tu peux résumer ça ? So the question, je sais plus où ça commence ta silence. Question. Ouais, c'est silence ça. Yeah, so I'd like talk. to ask you about the about silence, the silence of your characters in Mr. Loverman. So of course Barry doesn't talk about his being gay. He doesn't manage to come out, or not until a long time, and so he silences himself. And symbolically, this also refers the way people who are outsiders, who are outside the norm, like immigrants, gay people, people who are attributed or assigned a role by the main by mainstream society, how they are silenced by the role they are that's imposed on them, and to Lola. Before asking you that question, I'd like to focus on the one encounter that Barry does in with a young gay activist, Lola. Yeah, who's really into homosexuality in Africa and who knows a lot about that, who's quite knowledgeable in on that topic, and who teaches things to Barry about that, and who kind of spurs Barry to start reading about that, about homosexuality in Africa, and the way he helps Barry start to speak about homosexuality. And so my question would be about silence in your book, and about how a whole generation, Barry's generation, how this generation was kind of came of age and built itself in silence while being silenced, and how they reconcile with the younger generation that is starting to find its voice and to free speech, to free their own speech. So I think Barrington embodies the unexamined life. He is somebody who has lived his life and, as you say, has hidden himself away, hidden in a sense the most important part of himself away from public view and not really examined it. So when he encounters Lola, who is somebody who is out, gay, interested in exploring gay history and cultures and so on, it's a shock to him, and he's at first quite resistant to it because it's taking him out of his comfort zone. But actually it eventually takes him on a journey that he really should have begun a very long time ago, because it's not just silence, it's also about isolation. That he and Morris have lived in this kind of homosexual isolation. But I think when you're living in a society where you are minoritized, and I like to use the expression minoritized as opposed to a minority, mm-hmm. I have been minoritized in this country because of the color of my skin, right? But and treated as a minority, even though I'm born here, raised here, this is my culture. The color of my skin is a lot deeper in terms of how I'm seen, in terms of the white gaze, than it actually was when I was a child, where I didn't know anything about Africa or African culture or blackness or black culture. So when you are minoritized in a way, that side of yourself is up against the mainstream
the default mainstream way of being. And if you're in a majority white country or a majority heterosexual country or a patriarchal society, then you are going to be othered, you're going to be treated as an outsider, you're going to be minoritized, and it means it's going to be harder for you to speak out. And that's aside from anti-homosexual legislation that existed up until 1969 in Britain and continued much longer in the Caribbean. Imported, anti-homosexual legislation was imported by the colonial project to the Caribbean, to the former, to the Caribbean dominions. And so he has lived in silence, you're right. And he has been repressed. And in that society, he has also been suppressed because it is a heteronormative culture that he's been raised in, which is a Caribbean culture in Antigua, in the Caribbean, and then for 50 years in the UK. His Caribbean community in the UK is heteronormative. And so it's very hard for him to have a voice of that side of himself in that kind of culture. So it's very interesting. Your questions are very interesting, actually, because they're forcing me to think differently about my work in the ways that I might not have done before, which is why I find sometimes interviews are very interesting and revealing. So I think that's me unpicking some of this stuff around silence that you see in the book. Oui, alors je crois que le personnage de Barry, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait la démarche d'examiner sa propre vie. Et comme vous le disiez, il a vécu la plus grande partie de sa vie en dissimulant la partie la plus importante de lui-même, en la dissimulant aux autres. Et donc voilà, il a pas fait cet effort d'analyser sa propre identité. Et quand il rencontre justement ce jeune homosexuel dont vous parliez, Lola, qui est homosexuel complètement assumé et qui en plus explore les différentes, enfin la culture homosexuelle, eh bien c'est un vrai choc pour Barry. Il éprouve d'ailleurs une sorte de sensation de rejet. Ça le déstabilise complètement. Ça le force à sortir de sa zone de confort, comme on dit. Mais en même temps, grâce à Lola, eh bien il se lance dans un péril, si on peut dire, pour essayer justement de sortir du silence et de mieux se comprendre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de silence, il s'agit aussi d'isolement. Le silence, la relation que Maurice et Barrington entretiennent depuis 60 ans les tient dans un isolement atroce. Et ça me permet d'aborder de parler de ce que c'est que de vivre dans une société dans laquelle on est minorisé. Et je tiens à ce terme de minorisé. Je ne parle pas seulement de minorité, parce que moi-même, à cause de la couleur de ma peau, j'ai été minorisée. On m'a fait sentir que j'appartenais à une minorité, alors que la culture dans laquelle je vivais, la culture britannique, c'est ma propre culture. Et donc j'ai très vite compris qu'il se jouait quelque chose. Il y avait la couleur de ma peau, mais ma peau est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je connaissais pas grand-chose de la culture afro, c'est venu sur le tard. Et donc, quand on est comme moi, une femme de couleur, une personne de couleur, ou quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle une minorité, on est dans cette tension
permanente, cette lutte permanente entre une partie de nous qui évidemment est autre et revendique cette identité autre, dite minoritaire, et qui est en lutte avec ce qu'on pourrait appeler l'identité par défaut, l'identité de la norme. Et à plus forte raison, hein, quand vous habitez, vous vivez dans une société patriarcale, blanche, évidemment, si vous êtes de couleur, vous allez vous sentir minorisé, vous allez vous sentir hors de la norme. Je voudrais aussi aborder la question des lois anti-homosexuelles qui ont quand même perduré jusqu'en 1969 hein, en Grande-Bretagne. Ah, elle est partie ? Non. Did we lose the connection ? Bon, je continue à traduire quand même. Oui, pour le public. Et, oui. Oui. Oh. Et d'ailleurs, c'est... Hi, I think we lost you for... Just a few seconds. Mais on va finir, hein, de toute façon. On va finir. Donc ces lois hein, qui interdisaient d'être homosexuel, d'avoir des relations homosexuelles, elles ont été importées par les Britanniques dans les Caraïbes, et notamment à Antigua ou Barry, l'île natale de Barry. Et donc Barry, évidemment, oui, c'est un personnage, comme vous le disiez, qui a été réprimé et même qui s'est même presque supprimé, auto-supprimé, parce qu'il voilà, il vivait dans cette société à la fois à Antigua, puis ensuite au Royaume-Uni. Il vivait dans une communauté, une société hétéronormative, où lui, évidemment, il lui était très difficile de trouver sa propre voix et de s'exprimer. Et je trouve votre question vraiment très, très intéressante parce qu'elle elle m'incite, elle me force à porter un regard nouveau sur mon œuvre. Et ça, je trouve que les entretiens sont vraiment très stimulants pour ça, parfois. Donc, merci. Mais merci à vous. Il est l'heure de terminer. On en aurait beaucoup. On en aurait beaucoup d'autres, des questions. C'est absolument passionnant. Oui, n'hésitez pas à applaudir. Je pense que Bernardine peut l'entendre. Yeah. Le public. Vous remercie aussi. Thank you. You understand. Thank you. Thank you. Thank you very much. Et merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore. Au revoir.